Au sujet de vos carrières et de vos intérêts. Donc, premièrement, qu'est-ce que la partie de votre travail que vous trouvez le plus difficile et qu'est-ce que la partie de votre travail que vous trouvez le plus facile? Pour moi, c'est faussement. Je ne sais pourquoi je dois le porter, mais une fois je le porte cette main et maintenant je dois le porter. Pour toujours. C'est horrible, c'est trop difficile. Mais aussi mon dos est comme ça tout le temps pour mon rôle. Et maintenant, dans ma vie normale, je suis comme ça. C'est beaucoup de travail, mais c'est pour l'art. L'art et la souffrance. La plus facile part est l'argent. Je pense. oui. Je suis avec David parce que normalement les performances ou l'action est la chose la plus difficile, mais c'est vrai. Mais pour moi, la chose la plus difficile est chanter avec l'autre personne parce que Belle, nous avons chanté. Belle, c'est très très difficile pour chanter. Mm-hmm. C'est comme cette chanson est avec les notes hautes, très hautes, comme c'est impossible pour moi de chanter, donc c'est la chose la plus difficile pour moi. Pour moi, la chose la plus difficile est d'être sérieuse pendant un train de faire des actes. Moi, je travaille avec beaucoup de gens, mais ils sont vraiment très drôles et c'est difficile pour moi d'être sérieuse et de parler. Mais la chose la plus facile, vraiment, c'est qu'il y a beaucoup de passion dans cette partie d'art. Et je pense qu'on est très motivé de montrer quelque chose qui est très important à l'audience. Et ça, c'est bon, c'est un honneur. Vraiment, c'est difficile d'être si méchant. Le Frollo, il n'est pas génial. Je dois faire la voix. On verra que je vais tuer quelques personnes. Et alors, c'est pas bon, c'est pas facile de jouer le rôle comme ça, mais c'est encore de facile de travailler avec ces gens. Alors, une autre fois, Frappé. Frappé, bon acteur. C'est gentil pour être avec nous aujourd'hui. Mais à cause du fait que ce spectacle est une célébration de la culture québécoise, la prochaine question c'est qu'est-ce que votre artiste, auteur, musicien québécoise préféré? Pour moi, je pense que c'est toujours Bruno Pelletier. C'est un homme avec beaucoup de fierté, qui est très bon avec les jeunes. Il parle de sujets très importants dans le gouvernement, dans l'environnement. Et ses chansons sont très pleines de paroles qui sont vraiment touchant et on peut connecter avec ses paroles. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce qu'on doit toujours montrer notre culture, mais aussi notre société dans une bonne façon. Mm. Et je pense qu'il fait quelque chose de très important. C'est pour ça que... Et aussi, il est très beau, mais c'est pas important. pour moi, je voudrais dire Céline Dion parce que il m'a enseigné de chanter et il m'a dit quelques jours avant, il m'a dit qu'il y a un personnage dans la comédie musicale Notre-Dame de Québec qui s'appelle Phoebus. Mm-hmm. Et elle m'a demandé si je veux le jouer. Je dis oui, c'est absolu. Donc voilà, je suis ici.
Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour Daniel Leroy. Il a premièrement joué le rôle de Frollo, et alors il m'inspire un peu. Mais vraiment, dans la pop culture, ce que j'aime, c'est pas du tout comme ça. Lisa LeBlanc, c'est Barbara Girl, c'est amusant, et vraiment, c'est une sorte de musique qui j'aime. Pour moi, comme Nick, je pense que c'est Céline Dion. Je pense qu'elle est le visage du Québec. Elle a une voix très incroyable qui tout le monde connaît sa voix avec beaucoup de pouvoir et l'émotion.